À l'église Le Portail, je tiens à souligner particulièrement la bienvenue à notre site de Malartic en Abitibi euh, qui m'écoute en ce moment. Et je veux juste vous dire qu'en début d'été, je serai avec vous. Donc, j'ai bien hâte de pouvoir partager la parole avec vous et de pouvoir échanger euh, de, un peu plus avec vous. Alors ce matin, si vous avez vos bibles, je vous invite à tourner dans Un Pierre. Chapitre 3, nous poursuivons notre thématique qui s'intitule Étrangers et voyageurs. Et Pierre a utilisé cette expression à quelques reprises, comme quoi le chrétien, alors qu'il a mis sa foi en Jésus, pendant qu'il est sur cette terre, il est simplement comme un étranger et un voyageur parce qu'il sait très bien qu'un jour il sera avec Christ dans les lieux célestes, là où Jésus a dit Mon royaume n'est pas de ce monde, mais il est avec le Père dans les cieux. Alors, c'est un encouragement pour nous, euh, chrétiens, alors que nous sommes sur cette terre, nous sommes des voyageurs, des étrangers euh, temporaires. Et je ne sais pas si vous voyagez souvent, mais j'ai eu l'occasion, juste ce privilège-là, de, de, de voyager. Et euh, je me rappelle de mon voyage en 2017, lorsque j'avais été euh, en Haïti. Il y a plusieurs choses qui étaient différentes. Je me sentais étranger de différentes façons. Euh, premièrement, il faisait très chaud, euh, très, très chaud, une chaleur que je n'étais pas habitué, c'est une langue différente, une culture différente et de la nourriture euh, différente. Et ça a vraiment été un moment super pour moi. Et ce qui était encore, ce qui faisait de moi encore plus un étranger, c'est lorsque j'étais assis dans l'avion, je me suis aperçu que je n'avais pas mon portefeuille. Je n'avais pas mes cartes de crédit, je pas de pièce d'identité, mis à part mon passeport. Et la bonne nouvelle, c'est que je pouvais retourner à la maison parce que j'avais mon passeport avec moi. Maintenant, si tu es un chrétien, on sait très bien euh, qu'on on, on est étranger, on voyage sur cette terre, mais on a notre passeport pour notre patrie céleste. Si tu le crois, tu peux dire Amen ce matin. Et l'apôtre Pierre, depuis le début de, euh, de son épître, en il enfin, nous a présenté un salut différent que nous avons en Jésus, que ce n'est pas un salut basé sur nos œuvres, mais sur l'œuvre que Christ a accomplie pour toi et moi, qu'il a pris nos péchés. Et maintenant, une fois qu'on qu qu reçoit ce salut, l'apôtre Pierre va nous encourager à avoir une conduite. Qui euh, ressemble à celle de Jésus-Christ pour être des témoins dans ce monde. Et il y a quelques semaines, nous avons commencé par regarder la conduite qu'on doit avoir dans la société, comme en tant que bon citoyen d'être soumis aux autorités. La semaine dernière, on a vu aussi la conduite dans notre foyer. On a parlé des femmes, euh, des hommes. Et si tu as manqué ces messages, je t'invite à les écouter soit sur YouTube ou sur Spotify. Et ce matin, c'est le, le, le message va être basé sur la conduite dans la communauté. Alors, on va regarder ensemble au troisième chapitre de cette première épître de Pierre. Et le titre pour aujourd'hui, c'est Des relations différentes. Je ne sais pas pour toi, mais lorsque j'ai placé ma foi en Jésus, il y a eu un avant et un après. J'avais des relations avant Jésus, que je n'avais plus après Jésus, que j'ai délaissé certaines relations. Pas que je n'aimais pas les amis que j'avais, mais il devenait une mauvaise influence pour moi. Donc, j'ai dû faire certains choix pour conformer ma, ma, ma vie à la parole de Dieu. Donc, il y avait un avant et un après. Et la Bible va dire que lorsque tu mets ta foi en Christ, toutes choses anciennes sont passées et tout devient nouveau. On passe des ténèbres à la lumière. Donc, et on devrait avoir dans nos rapports mutuels, dans, dans nos relations, les gens autour devraient voir que nous avons des relations différentes. Alors, on va commencer à faire la lecture au verset 8 du troisième chapitre. Et voici ce que Pierre nous dit. Enfin, soyez tous en parfait accord, compatissants, pleins d'affection fraternelle, d'une tendre bienveillance, d'humilité. Ne rendez pas mal pour mal ni insulte pour insulte, au contraire, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter une bénédiction. La première relation différente à laquelle nous sommes appelés, c'est une relation basée sur la bénédiction. Et là, je sais que lorsque tu parles de bénédiction, tu dis Ok, je vais faire plein de choses pour être béni de Dieu, mais ce n'est pas ça que le texte veut dire. Ok, restez avec moi. Il va dire Bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés. Donc, Jésus vous a appelé d'abord à la bénédiction et c'est pourquoi on peut bénir aujourd'hui. Hein? On a tellement reçu. Dans la personne de Christ, on a tellement reçu dans notre salut, nous avons été bénis, nous avons reçu la grâce, nous avons reçu le pardon de Dieu. Maintenant, tu, tu as reçu cette bénédiction et tu es appelé à ton tour à bénir les autres autour de toi. C'est ce que la paupière veut nous dire. Je sais que c'est difficile lorsque on dit être hey, béni quelqu'un. On a plus tendance à être chialeux. Je sais pas pour toi. Mais moi, j'ai tendance beaucoup plus à être chialeux puis à avoir les, des fois l'aspect négatif puis tout. Et là, la pauvre Pierre me confronte en ce moment. Il dit, bénis, bénis les autres autour de toi. Et il nous appelle à bénir les autres. Si tu as fait des, des études pour être pompier, il faut que tu éteindre des feux. Tu ne peux pas juste dire, OK, j'ai été appelé à être pompier, mais je pas de feu. Ça ne marche pas. Ça va ensemble. Tu étais appelé à être pompier pour éteindre des feux, alors va éteindre des feux. Okay? Donc le chrétien est, a été béni, il est appelé à bénir. Et ce que j'aime de ce texte-là, c'est qu'il y a une similitude avec ce que l'apôtre Paul a écrit aussi dans Philippiens 2. Il va dire, les sentiments qui étaient en Jésus, les dispositions qui étaient en Jésus, ayez ces mêmes dispositions dans vos cœurs. Et il y a cinq éléments que Pierre parle dans le texte. Et c'est un peu comme les cinq doigts de la main. Les, les cinq, on pourrait dire c'est cinq choses différentes, mais sont tous reliés à la même main et sont tous reliés à la personne de Jésus-Christ. La première chose, il va dire Soyez tous en parfait accord. On s'entend que c'est impossible. On a toujours des divergences d'opinion. Qu'est-ce que Pierre veut dire sur être en parfait accord? Autrement dit, Malgré qu'on parle des différences d'opinion, des fois on, on peut avoir même des, des divergences dans notre interprétation de la parole de Dieu, ce qui est important, c'est qu'on ait le même but, le même objectif, celui de parler de Jésus-Christ, du salut en Jésus, de la bonne nouvelle, de la grâce de Jésus. C'est ça qui est important. On, je pourrais remettre des partitions à un orchestre. Et dans, une, dans, un, dans un orchestre, il y a plusieurs instruments. Et évidemment, ce n'est pas tout le monde qui joue la même chose, mais il y a un même but, de faire la pièce, de jouer la pièce et de rendre honneur à l'auteur qui a écrit cette pièce. Et de la même manière, en tant que chrétien, on peut avoir des divergences d'opinion, mais restons unis parce que nous avons un seul but, faire connaître la bonne nouvelle de Jésus. La deuxième chose, il va dire, euh, soyez compatissants. Et lorsque tu regardes la personne de Christ, lorsqu'il avait vu une foule et s'apercevait que cette foule était comme des brebis sans berger, Jésus fut ému de compassion. Et nous qui avons tant reçu en tant que chrétiens, je prie que ce soit notre prière à tous, que le Seigneur mette cette compassion dans nos cœurs afin qu'on puisse user de compassion envers quelqu'un d'autre. Un Corinthien va nous encourager à, à dire, lorsque tu vois quelqu'un pleurer, pleure avec lui. Il y a quelqu'un qui souffre, souffre avec lui. Ça permet d'exercer cette compassion. Lorsqu'il parle de bénisser, le troisième élément, il va dire, soyez plein d'affection fraternelle. Il y a plusieurs mots là-dedans. Mais lorsqu'on parle d'affection fraternelle, on parle de famille. Tu n'es pas seul. L'Église, ça ne se vit pas seul ou, ou seul à la maison. Tu as besoin des uns et des autres du corps de Christ. Moi, je suis toujours émerveillé de voir la dynamique d'une famille qui, ça fait peut-être trois mois ou six mois, ou, ou si tu, tu m'écoutes en ce moment, tu es en, en Afrique ou tu es peut-être en Europe, et lorsque ça fait peut-être cinq ans que tu n'as pas vu ta famille, j'imagine le party qu'il va y avoir lorsque tu vas revoir ta famille. C'est plein de, de tendres affections fraternelles, des, des câlins qui ne finissent plus et on peut sentir l'amour qui est là. Tout cet amour qui a été déversé en nous par Jésus-Christ, que nous puissions bénir les gens autour de nous avec cette affection, avec cet amour que Christ nous a donné. La quatrième bénédiction qui nous encourage à, à bénir, il va dire euh, d'avoir cette tendre bienveillance. Autrement dit, de prendre soin. Prendre soin les uns les autres. On a différents besoins, mais on a différents dons aussi pour pouvoir bénir quelqu'un autour de nous, pouvoir prendre soin de quelqu'un. Et une des belles façons de le faire, c'est être dans un petit groupe. Parce qu'on échange ensemble. Puis on, on prie ensemble sur des besoins bien précis. Puis on peut se faire des suivis, s'encourager mutuellement. Et ça fait une belle famille. Donc je t'invite à joindre un petit groupe. La, le cinquième élément où il va dire « bénissez » Et cela, il peut faire mal. Il va dire d'être une tendre bienveillance et d'humilité. Wow! L'humilité. Dans notre nature, on aime être au-dessus des autres. On aime prendre de la place. Hein? es tu juste moi qui aime prendre de la place? Je pense qu'on aime tous prendre à quelque part de la place. On veut être valorisé. On veut que les gens regardent à ce qu'on a fait. Et ici, Jésus-Christ... Alors qu'il était Dieu, lorsqu'il était sur cette terre, il dit que c'est humilié, il n'a pas cherché à être l'égal de Dieu, il s'est soumis complètement à la volonté de son Père. Et dans, dans le même texte, dans Philippiens 2, Paul va nous dire, « Considère les autres comme étant supérieurs à toi. » Et c'est ça l'humilité. Et Pierre reprend ici le terme de l'humilité. « Considère les autres plus haut que toi. » Et ça, c'est dur. Mais c'est une façon de bénir les autres. Et, et il va dire une autre chose après qui est super intéressant. Ne rendez pas mal pour mal, ni insulte pour insulte. Pierre est très perspicace, il sait très bien qu'on a de la difficulté avec ça. De un, on manque d'humilité, on est orgueilleux et l'orgueil va amener le fait que hey, il m'a dit quelque chose que j'ai pas aimé, je vais lui rendre la pareille. Il m'a fait quelque chose dans le dos, je vais lui faire quelque chose aussi. Hein? On veut rendre le mal pour le mal, euh, l'insulte pour l'insulte. C'est la loi qu'on appelle du talion, le œil pour œil, le dent pour dent. Alors que Jésus a dit, tant l'autre joue à la personne qui te fait du mal, donc ne rends pas le mal, dis pas il le mérite. Non. Jésus-Christ, alors qu'il a été condamné injustement, il n'a pas rendu le mal pour le mal, il a plutôt prié pour ses ennemis. Jésus nous a encouragés dans le Sermon sur la montagne et tout ce qu'on a vu, ça touche au Sermon sur la montagne où il a dit entre autres, prie pour tes ennemis, prie pour ceux qui te persécutent. Ne rendez pas le mal pour le mal, au contraire, Pierre va dire bénissez. Et, et je me souviens d'un moment où j'ai vraiment été défié à ce propos-là il y a quelques années, alors, alors que j'avais une maison où il y avait des locataires dans la maison. Et au début, le locataire, à un moment donné, bon, il y avait, avait un peu moins de travail. et Il m'avait dit écoute, ça va être difficile de payer mon loyer ce mois-ci. Puis si tu sais si je te paye dans deux semaines, ben, écoute, pas de problème. Puis je vais être un, un bon chrétien. Donc, je lui dis Pas de problème, écoute, prends ton temps, quand tu l'auras, tu pourras me payer. Mais là, le deux semaines, est devenu trois semaines. Et trois semaines est devenu un mois. Et le mois est devenu deux mois. Et là, à un moment donné, tu te dis, bien, écoute, comme propriétaire, tu as quand même des frais, il faut que tu payes ta maison, hein, tu as, as besoin de, de cette location-là. Là, là les, les mois passent, on est rendu à trois mois. Et là, ça venait vraiment urgent. Et là, je prie là-dessus, puis je dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Parce qu'on pourrait dire, bien, hé, hey, tu es propriétaire, tu as des recours légaux, puis tu as juste à lui dire qu'il s'en aille. Mais à quelque part dans mon cœur, parce que si je lui dis, votant, il n'y a pas de place où aller, puis il y a une famille entre les mains. Alors là, je, je m'arrête, je prie, puis Seigneur, qu'est-ce que je fais? Le Seigneur m'a emmené dans un texte, qu'on ne lira pas ensemble parce que je n'ai pas le temps ce matin, mais il m'a emmené dans un texte où il m'a fait comprendre la grâce. Il dit, Tu me devais tellement, puis j'ai payé pour toi. Vois la grâce que j'ai eue envers toi. Maintenant, je veux que tu fasses grâce à cette même personne waouh, je vous avoue que j'ai lutté dans la prière parce que Seigneur, c'est quelques mois de loyer que je perds. Mais le Seigneur m'a dit bénis, fais juste le bénir, occupe-toi pas du reste. Et voici ce que le texte dit. Il va dire bénissez car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter une bénédiction. Et souvent, on va bénir juste pour hériter des bénédictions, mais alors que tu fais la volonté de Dieu de bénir quelqu'un, tu es automatiquement béni. Parce que lorsque j'ai mis simplement en application, j'ai obéi à ce que Dieu m'a demandé, je me suis senti béni. Moins riche, mais béni. Parce que j'ai fait ce que Dieu m'a demandé. Et je veux juste t'encourager aujourd'hui. Lorsque Pierre dit, Bénis, toi qui es chrétien, qui connais la bénédiction de Dieu, bénis les autres autour de toi, fais confiance à Dieu, il s'occupe de toi. On continue, verset 10 va dire, En effet, qui veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve, qu préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il cherche la paix et la poursuive, car le Seigneur a les yeux sur les justes. Et ses oreilles sont attentives à leur prière, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Ça, c'est intéressant, parce qu'on voit la suite de la bénédiction aussi. Lorsqu'il dit que tu vas hériter d'une bénédiction, il dit au verset 12 Le Seigneur a les yeux sur les justes. Le Seigneur a les yeux sur toi. Pas pour regarder pieds et pieds, est-ce qu'il va bénir quelqu'un, lui, aujourd'hui. Ce n'est pas comme ça qu'il est Dieu. Mais il te regarde, il tue son enfant, il est fier de toi. Et là, alors que tu marches sur ce sentier, Dieu les regarde sur toi parce que sa bénédiction est toujours là et disponible. Il regarde pour prendre soin de toi dans ta marche quotidienne. Il va dire que ses oreilles sont attentives à tes prières. Quelle bénédiction de savoir. Que Dieu a ses yeux sur nous, que Dieu tend l'oreille à ses enfants. Waouh, quelle bénédiction. Et, il va, et Pierre va citer le Psaume 34, les versets 13 à 17. Et c'est intéressant, parce qu'il parle de bénédiction, mais il donne un contexte où euh, il y avait un ennemi qui était après David. Autrement dit, euh, le, 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 David a écrit le Psaume 34 et ça dit qu'il a été chassé d'Abimelech, euh, il a dû fuir. Mais à ce moment-là, David était béni. Et je vais te lire, juste pour te mettre dans le contexte, psaume 34, à partir du verset 2, il va dire, hein, il, il, il a fui, il a été obligé de partir, « Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sera constamment dans ma bouche. Je mets ma fierté dans le Seigneur. Les pauvres entendent, ils se réjouissent. Magnifiez le Seigneur avec moi. » Exaltons ensemble son nom. J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu. De toutes mes frayeurs, il m'a délivré. Ceux qui regardent vers lui sont radieux et leur visage n'a pas à rougir. Quand un pauvre crie, l'Éternel entend et il sauve de toutes ses détresses. Le messager du Seigneur dresse son camp autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Heureux l'homme qui trouve en lui un abri. Craignez le Seigneur, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les jeunes lions peuvent souffrir de la misère et de la faim, mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manqueront d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous apprendrai la crainte du Seigneur. Et là, il va avec le texte qu'on a lu. Quel est l'homme qui prend plaisir à la vie, qui aime les jours et qui veut voir des jours heureux? Tout le monde veut voir des jours heureux. Le problème, c'est qu'on n'a pas la même notion du bonheur. Peut-être que le bonheur pour toi, c'est de finalement avoir la paix et partir deux semaines en voyage. Peut-être que d'être heureux pour toi, c'est de pouvoir partir trois semaines à la chasse, loin de ta femme, loin de ta famille, puis juste ah, relaxer. Peut-être que pour toi, avoir des jours heureux, c'est qu'il n'y ait plus aucune souffrance autour, qu'il n'y ait plus aucune injustice, que tu euh, en aies plein les poches. Hein? Peut-être que pour toi, euh, euh, pour, pour toi d'avoir des jours heureux, c'est de dire, si je peux gagner une fois pour toutes à la loto, hein? à 649, ça ne change pas le monde. Mais ça aide, tu vas dire, peut-être. <laughs> Je ne suis pas si sûr que ça. Voici un, la définition que Pierre donne alors qu'il y a, a des difficultés, il a, il, a, il a été chassé de là où il était, il peut vivre ça difficilement. Puis on parle de bénédiction. Il va dire Voici, tu veux aimer la vie, tu veux voir des jours heureux, préserve ta langue du mal. Tu dis Wow, OK. <laughs> préserve ta langue du mal. Encore une fois, tu as été béni, tu es appelé à bénir. Préserve ta langue du mal, parce que lorsque tu commences à dire toutes sortes de trucs que tu regrettes ensuite, tu ne te sens pas bien après. Tu sais que tu n'as pas béni, hein, parce qu'avec ta bouche, tu peux bénir ou tu peux maudire. Et c'est Jacques qui va dire de garder ta langue en bride, parce que même ta religion ou même ta, ta pratique de la foi, ça va être vain. Elle va être vaine si tu ne gardes pas ta langue. » Et l'autre fois, j'étais à la maison, on était en train de manger, et là, il est arrivé une situation autour de la table, et là, je suis mmm, « Ah, ok, je ne vais rien dire. » Et là, mes enfants vont dire « Ah, dis-le, 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 dis-le. » Je dis « -le, -le, -le. Mmm, Non, je ne dirai pas. <laughs> je suis mieux de ne pas le dire, parce que je sais que je peux dire toute sorte de niaiseries. » Alors, préserve ta langue du mal. Et il va continuer. Il va dire « celui qui voit des jours heureux préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses qui s'éloignent du mal et fasse le bien. Ça veut dire quoi, s'éloigner du mal? Dans toutes les maisons, à un moment donné, tu peux voir un mouchoir qui est souillé. Hein? Donc, il y a quelque chose dans le mouchoir, okay, si tu n'avais pas compris. Donc, le mouchoir est souillé. Et là, c'est comme on va demander euh, c'est qui qui a laissé son mouchoir sur la table? pas moi, c'est pas moi, il n'y a personne qui veut laisser le mouchoir, euh, qui a, qui a laissé le mouchoir là et il n'y a personne qui veut s'approcher. On s'éloigne tous du mouchoir, c'est comme la personne qui le met là va le jeter. De la même manière, tu dois t'éloigner du mal. Lorsque tu sais que le mal est devant toi, retiens ta langue, recule-toi pour que tu puisses plutôt faire le bien. Et là, tu vas peut-être dire c'est parce que si un mouchoir qui est souillé, ça prend peut-être quelqu'un pour le jeter, il ferait de bien. <laughs> oui, OK. Mais tu avais compris le principe. Éloigne-toi du mal et va dire cherche la paix et poursuis la paix. La bénédiction est lorsque tu cherches la paix et tu poursuis la paix. Il y a un texte dans les Écritures qui va nous dire recherchez la paix avec tous. C'est vraiment important. Tu as euh, il y a un conflit qui est là. Autour de toi, dans ta famille, au travail ou peu importe, le chrétien est appelé à prendre l'initiative. Hein? Souvent, on va dire Ah, oh, mais moi, j'attends qu'ils viennent me voir. Mais il ne faut pas attendre que les autres viennent nous voir ils ne viendront pas nous voir. Alors, c'est ta responsabilité de prendre l'initiative et de dire Ok, je vais aller vers cette planète. je veux rechercher la paix. Et ça se peut que la personne ne veuille rien savoir, mais c'est important pour le chrétien d'initier cela, d'aller. D'aller chercher cette paix-là, parce qu'en Christ, tu as cette paix, Jésus est cette paix, et alors que toi, tu, dans, dans, dans toute cette conduite, de, dans la communauté, tu veux représenter Christ, recherche cette paix. Il va même dire poursuis-la. Ça veut dire quoi, ça? Poursuis la paix. Ça ne veut pas dire forcer la paix. Hein, quelqu'un qui vient te voir, ou toi, tu vas voir quelqu'un, tu dis là, il là, faut que tu me demandes pardon. Là, la personne ne te demande pas pardon, mais tu continues. Non, mais c'est parce que la Bible a dit de demander pardon, il faut que tu me demandes pardon. Et là, tu continues, puis tu continues, puis tu, tu, tu poursuis la personne, mais finalement, tu la forces. C'est pas ça que ça veut dire poursuivre la paix. Mais garde un cœur ouvert. À chaque fois qu'il y a un conflit, à chaque fois que tu reçois une blessure, à chaque fois que quelqu'un t'inflige une injustice, sois prêt à pardonner. Sois prêt à toujours être en paix, à rechercher la paix avec la personne autour de toi. C'est ce que Pierre va dire. Maintenant, on avance, verset 13. Donc, on a vu une relation basée sur la bénédiction. Verset 13. Qui donc pourra faire du mal si vous vous passionnez pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, heureux seriez-vous? Et je vais commenter un petit peu euh, par-ci par-là le, le texte qu'on lit en ce moment. Quand vous souffriez pour la justice, heureux seriez-vous. Jésus a dit, Heureux celui qui est persécuté à cause de moi, celui qui, qui subit de l'injustice, qui souffre à cause de moi. Et je me rappelle, lorsque j'étais en Moldavie, il y avait un, un, un homme de la place là-bas qui euh, s'occupait euh, d'organiser les rassemblements dans les parcs pour les enfants, pour euh, faire des jeux, puis annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Puis, à un moment donné, il y a eu de l'opposition. Il y a euh, les prêtres orthodoxes qui étaient débarqués puis des gens de la ville. Puis là, il y a eu beaucoup de pression pour qu'on puisse quitter puis tout ça. Puis finalement, on n'a pu rien faire. On a dû quitter. Mais il y avait des menaces. Puis vous n'auriez plus jamais le droit d'être là. Puis tout ça. Puis ils voulaient vraiment empêcher. Euh, ils voulaient nous empêcher de parler de Jésus. Et je me rappelle cet homme qui venait nous voir puis il dit wow, hey, je suis super content. C'est la première fois de ma vie que je subis de la persécution comme ça. Waouh, c'est le fun de pouvoir être persécuté pour mon Dieu là, wow, ok, Ouh, moi je l'avais pas vu de même, <laughs> mais tellement content de prendre part aux souffrances de Christ par la persécution. Et il va dire, heureux serez-vous lorsque vous allez souffrir pour la justice. Il va dire, ne craignez pas ce qu'ils craignent et ne soyez pas troublés. Et Pierre va faire référence à Isaïe ici alors que les Assyriens veulent combattre le peuple de Dieu. Eux, ils vont craindre, il va dire Ne craignez pas ce que les autres craignent. Toi qui es un enfant de Dieu, ne crains pas ce que ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux qui n'appartiennent pas à Dieu craignent. Hein? Ne soyez pas troublés. Pourquoi Oui, ils va y avoir des attaques de l'ennemi. Oui, il y a des gens qui vont euh, vouloir euh, te, te mettre à terre. Il y a des gens qui vont vouloir te faire du tort. Mais ne crains pas. Pourquoi Parce qu'il dit au verset 15 Dans votre cœur, consacrez le Christ comme Seigneur. C'est très, très chargé comme, comme sens. Dans votre cœur, consacrez le Christ comme Seigneur. La plupart des chrétiens n'ont pas de difficulté à consacrer Christ comme Sauveur. Hein? On prêche régulièrement, Jésus est notre Sauveur, il a porté nos péchés, etc. Il est Sauveur. Mais que Jésus soit le Seigneur, c'est autre chose. Ça veut dire que tu lui laisses toute la place dans ton cœur. Tu lui laisses toute la place dans ta vie. Et ça, ça amène une autre dimension. Mais là, ce qu'il va dire, au lieu d'avoir peur, au lieu de craindre, rappelle-toi que Jésus est celui qui règne, celui qui est Seigneur, c'est celui qui gouverne, celui qui règne, celui qui est en contrôle, celui qui est souverain. Alors, si tu souffres... Pour la justice, si tu souffres de différentes façons ce matin, rappelle-toi, l'ennemi ne peut rien contre toi parce que Jésus-Christ règne sur ton cœur. Il va dire, soyez toujours prêts à présenter votre défense devant quiconque vous demande de rendre compte de l'espérance qui est en vous. On a tous une espérance. Il va dire, soyez prêts. Hein, si on vous demande de rendre compte de ce que vous avez, soyez prêts. Et, et je ne sais pas si tu es prêt lorsque... Ton boss, ton patron te dit Est-ce que tu peux venir me voir dans mon bureau à la fin de, de la journée Habituellement, ça sent pas bon. Habituellement, tu ne veux pas trop y aller, puis là, tu commences à penser à des scénarios, puis hey, est-ce c'est parce que je suis arrivé en retard de trois minutes hier Est-ce que j'étais au punch trop vite Est-ce que j'ai dit quelque chose que n'y aurait pas fallu Et là, tu commences à trouver des justifications dans ta tête parce que oh tu ne veux pas te faire prendre au dépourvu, puis. C'est comme, soyez prêts. Et je crois que le chrétien a toujours besoin d'être prêt à parler, mais en même temps, il ne faut pas paniquer. Parce que la Bible nous dit que de ne pas s'inquiéter avec ce qu'on va avoir à dire parce que le Saint-Esprit va vous mettre dans nos cœurs ce qui doit être dit au moment présent. Puis je sais que ce n'est pas facile. Il y a des gens. Vous avez osé. Il y a peut-être des professeurs, vous m'écoutez, il, il y a un étudiant qui vous a posé une question sur le christianisme, sur la, la foi en Jésus, puis vous avez juste entré dans la porte qui était ouverte, puis on vous a tapé sur les doigts. On vous a dit, tu ne peux plus jamais faire ça, sinon tu perds ta job. Hein? Ce n'est pas facile d'être prêt à rendre compte. Mais lorsque Pierre dit ça, ce n'est pas seulement rendre des comptes sur le message, mais rendre des comptes aussi sur la manière dont on dont on se comporte avec le message, le témoignage que nous avons. C'est vraiment important. D'être prêt à présenter notre défense à ceux qui nous, qu nous demandent des comptes de l'espérance qui est en vous. Nous avons tous une espérance. Hein? Puis des fois, l'espérance dit, comment tu peux être sûr de ton espérance? Cette semaine, on, a eu, on attendait une réponse de l'école pour... Pouvoir transférer ma fille d'école l'année prochaine. Puis on, on avait beaucoup d'espoir à, à cette demande-là. Et puis finalement, les portes se sont fermées. Hein? Et on, on espère beaucoup de choses. Puis des fois, les choses n'arrivent pas. Et là, peut-être que tu dis :« Ouais, comment tu peux être sûr de l'espérance que toi tu me parles d'une espérance en Jésus ?» Puis comment tu peux être sûr La Bible va dire que le Saint Esprit confirme à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et ça, si on le voit dans le quotidien, à tous les jours, parce que la grâce que nous avons reçue de Dieu, c'est une expérience qui se vit, qui ne s'explique pas toujours avec des mots, mais lorsque tu es témoin de la grâce de Dieu, de la gloire de Dieu dans ta vie, tu sais qu'il y a une espérance. Tu sais qu'il y a cette espérance de la vie éternelle. Et si tu veux communiquer à quelqu'un, hein, des fois tu dis, moi je ne sais pas comment. Okay, Quelqu'un vient me voir, puis okay, il faut que je sois prêt à parler de l'espérance que j'ai en Jésus, puis je ne sais pas comment faire. Je l'ai déjà mentionné dans un message précédent, mais vas-y avec les quatre C. Okay? Premièrement, Dieu est créateur de toutes choses. Au départ, il a tout créé, tout était parfait. Adam et Ève vivaient dans un monde parfait. Et là, ce qui était arrivé, le deuxième C, la chute. Ils ont péché contre Dieu, ce qui fait que maintenant leur relation privilégiée qu'ils avaient avec Dieu, ils étaient maintenant séparés de Dieu. Et ça prenait un élément pour qu'il y ait réconciliation avec l'humanité qui amène le troisième C, la croix. Jésus est allé à la croix pour te réconcilier avec Dieu. Ce qui amène le quatrième C, qui finalement est cette nouvelle création qui va avoir lieu au retour de Jésus. C'est simple à communiquer. Et ça, c'est notre espérance. Soyez prêts à parler de votre espérance. Il va dire, verset 16, Mais faites-le avec douceur et respect et ayant une bonne conscience. Écoute-moi bien. Si tu es un chrétien, avec douceur et respect. Il y a beaucoup de gens, des fois, c'est comme OK, je te respecte, puis on ne veut pas trop en savoir. Mais des fois, il y a des chrétiens qui agissent. Un peu plus comme des sauvages. Je m'excuse de dire ce mot. Mais on agit comme ça des fois. Puis on va, assez, on va taper sur la tête des gens pour euh, qu'ils puissent comprendre, puis on va leur parler de Jésus jusqu'à temps qu'ils se convertissent. Savais-tu que ce n'est pas ton travail à toi de convertir les gens? Ce n'est pas ton travail à toi. Tu toi, as, as juste à être un témoin de Jésus. Tu as juste à parler de ton espérance et les autres font ce qu'ils veulent avec. Mais le Saint-Esprit, c'est lui qui agit dans les cœurs. Vas-y avec douceur. Vas-y avec respect. Les gens. Il y a quelqu'un à côté de toi qui n'est pas intéressé, c'est correct. Tu n'as pas à forcer quoi que ce soit. On va dire en ayant une bonne conscience. C'est-à-dire, parle toujours de la vérité. Fais pas des contournements pour essayer de, 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 de manipuler pour que les, les gens puissent t'écouter. Dis la vérité simplement. Hein, vous connaissez tous Pinocchio. Quand Pinocchio parlait, et c'était un mensonge, qu'est-ce qui arrivait? Hein, le nez allongeait. Le nez lui rappelait qu'il avait menti et sa conscience savait, j'ai menti. Maintenant, je crois que notre conscience devrait être pure et notre conscience devrait savoir qu'il y a la vérité que l'on proclame. Et tout ça, il va dire verset, euh, toujours verset 16, afin que sur le point même où l'on vous accuse, ceux qui injurient votre bonne conduite dans le Christ, « Sois pris de honte. Mieux vaut en effet souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. » Si tu souffres en ce moment, c'est mieux que tu souffres en faisant le bien qu'en faisant le mal. Parce que si on souffre en faisant le mal, souvent c'est une conséquence d'une mauvaise action. Hein? C'est la conséquence d'un accident parce que tu as mal conduit. Tu souffres parce que tu as mal conduit. Mais si tu conduis bien, puis il y, a, il y a un accident, puis tu souffres à cause de ça, au moins tu as fait le bien. Et, et, cette, et ça m'amène à mon deuxième point, que la relation différente, c'est celle basée sur la bénédiction, mais la deuxième, elle est démontrée dans la souffrance. La véritable relation, elle est démontrée dans la souffrance. Et je parlais avec une dame cette semaine qui m'a beaucoup touché. Et euh, en parlant avec elle, je lui ai demandé simplement, parlez-moi de votre histoire. C'est quoi votre histoire? Et là, elle commence en me disant, elle était jeune, elle a grandi en Afrique, il y a eu un moment où il y a eu la guerre dans son pays, et elle a changé de pays elle était vers l'adolescence, elle s'en va au Rwanda. Et au Rwanda, bon, elle, avait toute, elle a pu avoir toute sa famille et tout, puis les années passent. Et là, à un moment donné, évidemment, le Rwanda, dans les années 90, vous savez ce qui s'est passé, il y a eu un génocide. Et là, elle me parlait de sa famille, puis qu'elle élevait ses quatre filles et tout. Puis elle dit J'ai eu un garçon aussi Et après ça, elle me dit J'ai eu un mari aussi, évidemment. Et elle me disait Mon fils et mon mari, je les ai perdus dans ce génocide, je les ai perdus dans cette guerre. Elle dit Si vous saviez, Pasteur, j'ai perdu douze personnes autour de moi. Puis je n'ai même pas pu leur dire au revoir. Je n'ai même pas pu leur offrir des funérailles. Je les voyais qui jonchaient le sol. Puis je devais partir comme ça si vous saviez ce que ça m'a fait, la douleur que ça m'a fait. Et là, je lui demande comment vous avez fait pour passer à travers de tout ça. Elle dit, si je l'avais fait moi-même, je n'aurais pas été capable. Elle dit, mais j'avais foi en Dieu. Jésus m'a tenu dans ces moments extrêmement difficiles. Puis vous savez, pasteur, a dit, moi, là, j'étais aisé dans la vie, j'avais le confort, j'avais tout ce que je voulais. Et du jour au lendemain, je me suis trouvé avec rien. Mais si vous saviez comment Jésus a été un ami fidèle et tendre, vous connaissez le chat, Jésus est un ami fidèle et tendre. Je dis, oui, 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 je le connais. A dit, j'ai vu, c'était quoi un ami? À la personne de Jésus, j'ai vu c'était quoi sa fidélité pour moi. Il ne m'a jamais laissé tomber. J'ai eu plein de besoins, des besoins de vêtements, des besoins de nourriture, des besoins de logement. Le Seigneur m'a toujours accompagné. Et elle continue. À Un moment donné, il y a une femme qui se présente devant elle. Et, et, et la femme, elle, elle voit, elle voit qu'elle elle est dans le besoin. Elle a ce moment Je voudrais tellement vous aider. En même temps, je, je m'apprête à partir dans mon pays. Puis qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et la dame va dire Aidez-moi juste à quitter ce pays. Et là, la, la dame, elle ne sait pas trop quoi faire, elle retourne, puis là, elle n'arrive pas à dormir, elle n'est pas tranquille, ça lui pèse sur le cœur, puis ah, il puis faut qu'elle fasse quelque chose. Et finalement, elle l'a aidé à quitter ce pays et aller à l'étranger. Et pourquoi je vous dis tout ça Souffrance extrême, souffrance Horrible, je ne sais pas s'il y a un mot pour caractériser sa souffrance. Mais son refuge, elle ne l'a pas trouvé dans sa force, elle ne l'a pas trouvé dans son courage, elle l'a trouvé en Jésus-Christ. Elle savait Jésus, celui qui a souffert dans sa vie, à la croix, il a tout porté mes péchés, il a eu une souffrance ultime et elle a trouvé son réconfort dans la personne de Jésus-Christ. Et je veux juste encourager. Aujourd'hui, tu vis de l'injustice, tu vis de la souffrance, tu es maltraité, tu es persécuté. Là où tu m'écoutes dans ce monde, il y a, il y a différentes situations, peut-être géopolitiques. Fais confiance à Jésus, mets ton regard sur Jésus-Christ. Il ne te laissera pas tomber. On continue. Verset 18. Car le Christ lui-même a souffert une fois pour toutes en rapport avec les péchés. Lui, juste pour des injustes, afin de vous amener à Dieu. Mis à mort quant à la chair, il a été rendu vivant quant à l'Esprit. C'est ainsi qu'il est aussi allé faire la proclamation aux esprits en prison, à ceux qui avaient refusé d'obéir autrefois, lorsque la patience de Dieu attendait, au jour où Noé bâtissait l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, huit, furent sauvées à travers l'eau. C'est une figure du baptême qui vous sauve à présent. Baptême qui n'a pas la saleté de la chair, mais qui est l'engagement envers Dieu d'une bonne conscience par la résurrection de Jésus-Christ, qui s'en est allé au ciel, qui est à la droite de Dieu et à qui anges, autorité et puissance ont été soumis. La troisième relation différente que le chrétien a. Hein, la première, c'est la relation basée sur la bénédiction. La deuxième, une relation qui est démontrée dans la souffrance. Et troisièmement, une relation centrée sur l'œuvre de Jésus. Ça dit que Jésus il a souffert une fois pour toutes. À l'époque, pour le péché, il fallait offrir toujours des sacrifices. C'était les œuvres hein, pour être pardonné. Puis c'était toujours à recommencer, recommencer, recommencer. Chez, chez moi, j'essaie de tuer des bambous à la maison. Je ne sais pas si vous voyez, c'est quoi des bambous. Ce n'est pas vrai, vraiment ça le nom, mais ça ressemble à des bambous. Et on me dit, mets du Roundup, tu vas voir, ça va être fini une fois pour toutes. Et je mets du Roundup, du produit là, très, très, euh, qui, qui détruit toute végétation. Je mets du Roundup et il n'y a rien qui se passe. J'aimerais te dire que le sacrifice de Christ a été bon une fois pour toutes. Arrête de reposer sur tes propres efforts, d'essayer d'aller toujours vers Dieu avec toutes les œuvres que tu fais, de juste dire, il faut que je sois une bonne personne, puis Dieu va m'accepter. C'est Dieu qui est descendu vers toi. Christ qui a porté ton péché, il va souffrir une fois pour toutes. Lui qui était juste, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de péché en lui, il le fait pour des injustes, pour des pécheurs comme toi et moi. Nous, ce qu'on veut des injustes, c'est qu'ils puissent payer. Hein? On veut qu'ils payent pour ce qu'ils nous ont fait. Puis Jésus dit Moi, je vais payer à leur place. Je vais payer à ta place. Il le fait une fois pour toutes. Pourquoi Afin de nous amener vers Dieu, qu'on soit réconcilié avec Dieu, que la relation avec Dieu soit rétablie. Et on arrive au texte qui est compliqué. Il y a plusieurs interprétations selon les théologiens. Il y a, il y a un peu un débat là-dessus. Le verset euh, 19 qui dit, C'est ainsi qu'il est aussi allé faire la proclamation aux esprits en prison. Et on parle de Jésus ici. Et il y a différentes interprétations. Puis on dit, OK, Jésus est allé prêcher. D'autres vont dire, il a proclamé. Donc, il n'a pas vraiment fait une prédication comme telle. Mais c'est quoi qu'il qu a parlé? Qu'est-ce que Jésus a dit Si c'est le cas, qu'est-ce que Jésus a dit Est-ce qu'il a donné une deuxième chance aux gens qui avaient entendu le message de Noé à l'époque puis qui s'étaient rebellés puis est-ce qu'il a donné une deuxième chance La Bible dit qu'il est donné aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Donc ça peut pas être un message de repentance. Mais c'est quoi Et là, d'autres vont dire mais à quel moment Jésus est allé? Est-ce qu'il est allé entre sa mort et sa résurrection? Euh, Est-ce que Jésus est allé euh, dans le temps de Noé? Parce que Pierre va dire, si vous vous rappelez le premier message, ça dit, ça dit que l'Esprit de Christ a parlé à travers les prophètes dans l'Ancien Testament. Donc, même si Noé n'est pas reconnu comme un prophète proprement dit, il est celui qui a annoncé que le jugement allait venir, que les gens devaient se repentir. C'est ça que. Noé a fait. Maintenant, on peut aller dans différents sens pour essayer de comprendre ça. Je veux vous ramener à l'essentiel ce matin. Quelle est l'intention du texte? C'est ça qui est important. Parce que dans la parole de Dieu, on voit toujours qu'il y a une mauvaise nouvelle et qu'il y a une bonne nouvelle. Et c'est là que je veux t'amener l'intention du texte. Jésus a plusieurs reprises son premier message. Ça a été repentez-vous. Lorsque Jean-Baptiste est arrivé, il a dit repentez-vous. Et le royaume des cieux est proche. Et maintenant, le texte fait référence à Noé. Noé disait Écoute, vous êtes méchant en ce moment, repentez-vous. Le jugement de Dieu s'en vient. Voici, il y a un arche qui est bâti. Repentez-vous, c'est-à-dire détournez-vous de vos mauvaises voies, mettez votre foi en Dieu. Regardez, le salut est à votre portée. Et les hommes, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont continué à vivre leur vie comme avant, puis ils se sont dit non. On refuse d'obéir. Et pourtant, le texte nous dit que Dieu a usé de patience envers eux. Mais pourtant, tu sais, moi, ma patience, elle peut avoir des limites. J'attends en ligne pendant une heure, à un moment donné, je vais me tanner, puis OK, je vais partir. Mais la patience de Dieu a duré longtemps et longtemps et longtemps. À un moment donné, OK, je vous avais averti qu'il y avait un jugement. Vous ne l'avez pas pris, vous avez refusé d'obéir. Voici, le jugement arrive. Et là, on parle des esprits qui sont en prison. Hein? Puis lorsque on meurt, on est toujours à l'attente du jugement dernier. Maintenant, les, tu dois réaliser qu'alors que ces esprits sont en prison, tu dois réaliser que lorsque tu n'as pas mis ta foi en Jésus, tu es dans une prison spirituelle. Tu es dans une prison spirituelle, et là, il va avoir un jugement dernier. Et, et ça me fait penser lorsque tu, es, tu vas en prison, il y a, il y a certains pays que c'est juste comme une condamnation temporaire, c'est un jugement temporaire, mais il va y avoir un jour où ça va être la peine de mort qui va arriver, ça va être ton jugement ultime. Et aujourd'hui, si tu écoutes ce message. En fait, tu écoutes ce message. Mais aujourd'hui, alors que je te parle. Je te parle de Jésus, je te parle de l'occasion de te repentir, de te détourner de tes voies, de placer ta foi en Jésus. Puis tu peux refuser. Mais ce même Pierre dit dans son autre épître que Dieu use de patience envers tous parce qu'il veut que tous parviennent à la repentance. Donc pourquoi attendre? Place ta foi en Jésus, repends-toi. Parce qu'il y a une bonne nouvelle dans le texte. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Il y a un jugement qui était venu à l'époque, puis il y a un jugement qui s'en vient, un jugement final. Mais la bonne nouvelle, c'est que le texte dit qu'il y en a huit qui furent sauvés. Dieu avait, s'était choisi un peuple, s'est dit Moi, je vais en conserver, je vais en sauver aussi. Alors, ce matin, tu peux aussi entrer dans ce salut par ta foi en Jésus-Christ. Je ne sais pas si tu as vu Les Évadés de Pretoria, mais un, un film de, de prison, et il y a quelques prisonniers qui veulent absolument sortir de là. Ils se disent Il a pas question que je passe ma vie en prison. Et ils vont regarder analyser pour voir comment on peut sortir de la prison. Et la seule façon qu'ils ont trouvée, c'est de reproduire les clés du gardien de prison. Et il y a à peu près un trousseau avec 20 clés. Et là, il y a quelqu'un, puis à l'époque, tu ne peux pas prendre des photos avec des, des cellulaires. Donc, il mémorisait exactement chaque clé, comment elle était faite. À chaque fois qu'il venait passer à côté de la cafétéria, il regardait. Puis des fois, il faisait exprès pour échapper des choses par terre, pour voir comment les clés sont faites. Il a mémorisé ça dans sa tête. Et il a reproduit les clés une à une pour essayer de sortir de cette prison. Ils avaient mis leur foi dans cette clé qui pouvait les aider à sortir de prison. Moi, je veux juste t'inviter à mettre ta foi dans Jésus-Christ qui est la clé pour que tu sortes de cette prison spirituelle. Jésus est cette clé. Jésus est cette clé qui ouvre la porte du séjour des morts. Mets ta foi en Jésus ce matin. Le baptême dont on parle dans Noé, c on parle d'une figure de, de, de salut pour nous aujourd'hui. Autant que l'eau était un jugement pour les gens à l'époque. Aujourd'hui, Jésus, lorsque il est allé dans la tombe et il est ressuscité, et que Jésus s'est fait baptiser, il était pour démontrer, voici je vais prendre votre jugement à votre place. Et maintenant, lorsque tu suis Jésus, et si ce matin tu m'écoutes, puis tu te considères un chrétien, tu n'es pas encore baptisé. Je t'invite à te faire baptiser parce que tu euh, démontres, premièrement, que tu veux suivre Jésus et tu t'identifies à l'œuvre de Jésus qui a été euh, enseveli dans la mort et qu'il est ressuscité maintenant. Et alors que tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Et très bientôt, j'ai une bonne nouvelle. Le 11 juin, à notre site de Laval, il va y avoir une trentaine de baptisés. Et à notre site de Saint-Eustache, il va y avoir environ sept ou huit baptisés pour le 11 juin. Et pour toi qui es en Abitibi, le 2 juillet, on prévoit faire des baptêmes. Alors si tu n'es pas baptisé encore, va voir un responsable et on va te rencontrer pour pouvoir parler ensemble, se préparer pour ce jour merveilleux du 2 juillet. Mais le baptême, c'est quoi? C'est un engagement réfléchi. Le texte va dire, c'est un engagement d'une bonne conscience. Lorsque tu mets ta foi en Jésus, c'est un choix réfléchi, c'est un choix conscient. Tu as entendu cette bonne nouvelle et tu veux placer ta foi en Jésus. Tu as pris un, un choix réfléchi. C'est comme lorsque tu te maries, j'espère, tous ceux qui sont mariés, ça a été un choix réfléchi, hein, parce que tu veux passer le reste de ta vie avec la personne ta tu as bien aimée. C'est un engagement réfléchi. Et je termine, il va dire, par la résurrection de Jésus-Christ, qui s'en est allé au ciel, qui est à la droite de Dieu, et à qui anges, autorité et puissance ont été soumis. Si tu m'écoutes et tu crois aux anges, que les anges sont au service de Dieu, que la Bible va nous dire. Mais des fois, tu mets les anges au-dessus de toutes choses. La Bible dit... Que les anges sont soumis à Jésus. Peut-être que tu dévoues beaucoup d'attention à l'autorité, à ton gouvernement, et c'est important. On l'a vu dans un message passé qu'on doit soumettre aux autorités, mais sache que chaque autorité est soumise à Jésus. Chaque puissance est soumise à Jésus. Chaque injustice est soumise à Jésus. Chaque souffrance est soumise à Jésus. Ça c'est la bonne nouvelle pour toi et moi. Alors que Christ est vainqueur, on partage son triomphe aussi. Alors c'est la bonne nouvelle pour nous aujourd'hui. Christ a vécu, tout lui est soumis. Mets ta foi en lui aujourd'hui. Si tu es un chrétien, reste attaché à Jésus-Christ. Tout est soumis, il n'y a rien de supérieur à lui. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole ce matin. Merci pour ton œuvre. Merci du fait que tu as payé le prix de notre péché. Une fois pour toutes, ça a été suffisant. On a pu essayer d'aller chercher d'autres ressources à l'extérieur pour essayer de se sauver. Tu t'es porté garant. C'est une garantie illimitée. Seigneur, que nous avons en toi, en ton sacrifice, tu as payé une fois pour toutes. Merci pour cette délivrance. Merci pour cette libération. Merci de nous avoir libérés de nos prisons. Et alors, Seigneur, que nous, chrétiens, nous, nous avons reçu cette libération de la prison, je prie que tu nous conduises dans la bénédiction, que dans la façon de traiter nos frères, nos sœurs, ce soit de la bénédiction, que ce soit de la grâce, que ce soit du pardon, que ce soit de la bonté. Tout ce qui était en toi, que nous puissions, Seigneur, le mettre à profit pour les autres. Merci d'être présent dans notre souffrance. Merci, Seigneur, que alors que des fois on pense souffrir injustement, tu as toujours une bénédiction qui est là en retour parce que ça nous rappelle toujours le sacrifice ultime que tu as fait et la souffrance ultime que tu as vécue. Et ça nous rappelle. Il n'y a rien à ton épreuve, il n'y a rien qui est plus grand que toi. Tu es celui qui règne dans nos cœurs. Donc, tu es celui qui est souverain, celui qui prend soin de nous. Merci, Seigneur. Et je veux prier en terminant pour ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui ont entendu ce message aujourd'hui et peut-être qui hésitent. Alors que je parlais de se repentir parce que nous sommes tous en, dans une prison spirituelle lorsqu'on ne te connaît pas parce que notre péché nous a séparés de toi. Viens faire ton œuvre par l'Esprit de Dieu. Viens convaincre les cœurs, Seigneur, afin qu'ils mettent leur foi en toi, dans l'œuvre que tu as accomplie, Seigneur, qui leur permet de se réconcilier avec Dieu. À toi soit la gloire. Amen.